ou cette queue de baleine, eh bien à la base, il faut se dire, c'est une œuvre d'art. Et oui, mais comme toute œuvre d'art, d'après l'artiste qui l'a fait, lui, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Mais d'après lui, ça ne représente pas du tout une queue de baleine. D'après lui, ça représente une bouteille à la mer. Regardez, côté bâbord, côté gauche du bateau, derrière le voilier qui est en train de passer, on distingue les cabanes chanquées. S'habituer au système des marées. Vous avez oublié quelque chose, mais des fois il faut attendre 6 heures qu'elle descende complètement, puis 6 heures qu'elle remonte assez pour repartir. Et surtout, le plus gros des avantages de l'hydrozoto, c'est qu'il va falloir s'habituer très vite à sentir la citronnelle. Parce que les 300 hectares de vases et de marécages, l'été, ça se transforme en 300 hectares de nids à moustiques. Du coup, eh bien, ça va être ça. Un enchaînement entre parties publiques, comme le petit village de Piquet qu'on a vu juste avant, et une partie privée. Puis de nouveau, on aura une petite partie publique, un petit village, et encore une partie privée. Ainsi de suite, sur tout le long de la presqu'île. Le Cap Ferré, c'est comme toutes les villes en bord de mer. Il y a un gros fléau, là, on ne peut pas passer à travers, c'est l'érosion. Le phénomène que l'eau vienne ronger petit à petit la presqu'île. Alors, pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise eh bien, ce qu'on appelle des renforts. On renforce le front de mer en mettant des rochers, des pierres bétonnées, etc. Sauf que partout ailleurs en France, c'est un front de mer uni. C'est la commune qui paye ce genre de travaux. Mais regardez ici, d'une maison à une autre, c'est un mode de protection différent. À côté de nous, on voit des petits galets bétonnés. La maison d'à côté où il y a le drapeau, là, pour les fermer, c'est des grosses pierres bétonnées. Un peu avant, la maison avec les volets rouges, on a vu c'était des grosses pierres posées telles quelles. Ici, attention, ce n'est pas la commune qui paye ce genre de travaux, mais ce sont les propriétaires des villas. La commune de Lesges-Cap-Ferré a déclaré que si vous êtes assez riche et fortuné pour habiter le ferré première ligne, vous êtes également assez riche et fortuné pour entretenir la presqu'île. Alors attention, ça on va voir plus tard qu'en fait, cette règle-là, elle n'est pas là pour taper sur une classe sociale bien particulière, mais au contraire pour l'attirer. On verra ça ensuite. Nous, ce qu'on retient, eh bien, c'est que en échange de votre contribution à l'aide du front de mer, eh bien, vous pouvez choisir le style d'architecture que vous souhaitez. Regardez les maisons, on voit pas ça partout. Maison première ligne, normalement, eh bien, partout ailleurs en France, c'est une maison patrimoine. Mais pas ici, puisqu'on sait très bien que c'est des résidences secondaires, il y a 60 ans, il n'y avait pas toutes ces villas, c'est pas elles qui font le patrimoine du Cap Ferré. Faites ce que vous voulez, tant que vous entretenez devant chez vous, nous le patrimoine du Cap Ferré, on va le conserver et l'entretenir avec les petits villages ostréicoles qui, eux, appartiennent à la commune de Lesges-Cap Ferré. À côté de nous, vers là, c'est les milieux de presqu'île, on est sur des terrains dits abordables. On va bien mettre des guillemets hein, quand on dit abordable. Hein. Il y a maintenant 6 ans, ça a été vendu pour 2,5 millions d'euros. Et comme je vous ai dit, ici, c'est les terrains abordables. L'année dernière, le record de la presqu'île est tombé. Une villa à la pointe du Cap Ferré, les quartiers les plus riches, ça s'est vendu pour 11,5 millions d'euros. Pour casser un peu avec ce bling-bling, regardez, on arrive au niveau d'un petit village ostréicole, une partie publique qui appartient à la commune de Lesges-Cap-Ferré. Et là, dans ces petits villages, on va retrouver à chaque fois, à tout le temps, trois styles de cabanes. Premier style de cabane, c'est celle qu'on va voir là en premier. Ça va être, eh bien, des cabanes qui sont pas forcément très entretenues et très jolies à regarder. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'accueille pas de public. Ici, c'est les cabanes de travail. On ramène les huîtres du parc à huîtres, on les nettoie, on les trie, on les emballe, on est là pour bosser. On aura ensuite un deuxième style de cabane dans ces petits villages. Celles-ci, elles sont plus présentables, ben oui, c'est celles où il y a les parasols et les petites terrasses. Mais ça, c'est les cabanes de dégustation. On accueille du public, ça nous ramène la vie dans le village pendant l'été. Et enfin, troisième style de cabane, c'est les cabanes d'habitation, les blanches avec les devantures de couleur. Ça est pareil, ça vient d'une tradition du bassin. Ben de base, l'ostréiculteur, il n'est pas très riche. Il peignait son bateau, l'outil de travail, et ensuite, avec le reste du pot de peinture, il peignait les volets de sa maison. Depuis, c'est resté, et vu que c'est du patrimoine, c'est marqué dans les cahiers des charges, et les locataires doivent justement eh bien, garder ces traditions. Alors ici, c'est le village de Piraillan. Et le village de Piraillan,
Pour moi personnellement, avec celui du canon, là, les deux qu'on va voir, l'un après l'autre, c'est mes deux préférés. Parce que ici, on le voit, c'est des cabanes très intimes, très familiales. On va avoir du coup, eh bien, beaucoup de cabanes d'habitation et de travail. Il y a de la vie toute l'année dans ces villages. En plus de ça, eh bien, en saison, les cabanes de dégustation vont ramener du monde, des touristes, mais c'est des cabanes où c'est très intime, vous êtes direct avec le producteur. Les saisonniers, c'est qui? C'est les enfants de l'ostréiculteur ou l'ostréicultrice, ou alors ses neveux, ses nièces, etc. Il y a ce contact-là, en fait, avec le producteur qui est très appréciable. On aimerait bien tous y passer une petite semaine ou deux, évidemment. Mais malheureusement, ça ne va pas être possible. Première condition, il faudra être résident au Cap Ferré 12 mois dans l'année. Ben oui, parce que si l'été on accueille 120-130 000 personnes là avec toutes les résidences secondaires, eh ben hors saison, dès maintenant, je parle même pas de l'hiver, hors saison, on tombe direct à moins de 7000 habitants sur les 25 km. Donc on cible ces 7000 habitants. Deuxième condition, il faudra être marin, pêcheur, ostréiculteur, guide, comme moi, n'importe. Tant que vous travaillez sur l'eau et que c'est votre rentrée d'argent première, c'est ok. Et enfin, dernière condition, il faudra être chef d'entreprise. Mais oui, puisque la petite cabane, dans l'idéal, c'est pour développer votre activité. Si on accepte, on part alors sur un bail de 12 ans. Mais oui, c'est pour notre boîte, c'est pour le patrimoine, il faut voir loin. Au bout des 12 ans, si on a toujours les trois conditions, on refait encore 12 ans. On renouvelle tout ça. La seule chose qui peut casser le bail en cours de route ou ne pas le faire se renouveler, c'est la perte d'une des trois conditions. C'est la seule chose à quoi il faut penser. Dans l'idéal, ben on va jusqu'à notre retraite. Sauf qu'à la retraite, on perd une de ces trois conditions. Du coup, on va devoir rendre la cabane et elle sera confiée à quelqu'un en haut de la liste d'attente. Sauf que attention, en tant qu'ancien locataire, vous avez une chance énorme, c'est que vous pouvez désigner une personne qui passera en priorité avant la liste d'attente. Et là, on va se rendre compte d'une réalité. Là, tout le petit village qu'on vient de passer, le village de Piraillan, ce sont les mêmes familles depuis des générations. Il se passe les cabanes de génération en génération, de grand-père à petit-fils, donc la neveu, de père en fils. À chaque fois, c'est le même procédé. Et c'est fait exprès. L'idée, c'est ça, c'est de garder les familles de résidents du Cap Ferré, les familles historiques. Sans ces petits terrains qui ont été achetés par la commune au niveau des années 1900, eh bien, ça aurait été une ville bord de mer classique, il n'y a pas besoin d'aller loin. Regardez, on tourne la tête, on regarde du côté d'Arcachon, ben là-bas, c'est l'évolution classique. Les prix augmentent tellement que les locaux, on est poussé vers les terres, tellement c'est cher. Au Cap Ferré, si vous correspondez à certains critères, vous pouvez rester ici avec votre petit loyer de quelques centaines d'euros par mois, au milieu de tous ces terrains de plusieurs millions d'euros. Nous on arrive à un autre petit village, enfin petit village, ici c'est quand même le plus grand de ces petits villages. Ici c'est le village du Canon. Alors ici au village du Canon, parties publiques et privées ne se succèdent pas comme depuis tout à l'heure, mais là elles vont se superposer. Le village il est en deux parties, regardez on a la partie basse avec les cabanes d'habitation, travail, dégustation. Ça on l'aura reconnu, c'est la partie publique. Par contre dans les hauteurs, et bien avec la taille des maisons, on peut pas se louper, c'est la partie privée. Alors le village du Canon, c'est la même ambiance qu'à Piraillan. C'est autant de cabanes d'habitation, travail ou dégustation. L'ambiance est très chaleureuse, il y a beaucoup de monde qui vit ici à l'année. Et en plus de ça, le village il va vivre à 200% l'été avec toutes les résidences secondaires qui vont s'ouvrir juste au-dessus. Donc le village du Canon, pareil, je recommande à 200%, puisque ici, ben, que ce soit l'été ou hors saison, ou même l'hiver, en plein hiver, il y a toujours du monde qui est là. Alors là, on va passer à côté du petit village carte postale de la presqu'île du Cap Ferré, c'est le village de l'Herbe. Alors le village de l'Herbe, ici, ça va être un village qui est un petit peu différent des deux premiers, puisque ici, eh bien, le village est composé à 70% en gros de cabanes de dégustation. Ces cabanes-là, eh bien, elles vont être aussi un petit peu différentes des deux premiers villages, puisque là on va perdre un petit peu le contact avec le producteur, le côté chaleureux, etc. Les cabanes de dégustation, elles sont immenses et ça va être en fait des cabanes qui vont plus ressembler à la restauration classique. Dans l'assiette ça reste pareil, ça va rester eh bien, des huîtres, des crevettes, etc. Mais par contre, eh bien,
bien après, ce sera dans l'organisation et bien des runners, des serveurs, etc. Alors ça, ça va nous amener du coup et bien à une réalité, c'est que ce village-là, il va très bien vivre 2 mois dans l'année, le reste du temps, il est désert. Allez, j'exagère, on va dire 3-4 mois, il va être vivant. Parce qu'il y a des petits week-ends de 3 jours, les belles journées juin, septembre, etc. Alors on va dire 4 mois, mais le reste du temps, les 8 autres mois, il n'y a personne dans le village. Parce que tout simplement, il n'y a personne qui bosse ici à l'année. Vu que c'est que des cabanes de dégustation, c'est un village du coup qui va s'animer seulement que quand il y a du tourisme. Le reste du temps, ça ne sert à rien d'ouvrir la cabane, parce que du coup, il n'y a pas de tourisme pour remplir et faire tourner la machine. Même place mortem, on a le droit. La commune, pas de souci, fait des recherches, retrouve le fils. Et là, ça coince. Ben oui, le fils, il n'est pas du tout ostréiculteur en Cap Ferret, il est banquier aux États-Unis. Alors même si c'était les dernières volontés de son papa, la commune va quand même récupérer la cabane et la confier à quelqu'un qui correspond aux critères, en haut la liste d'attente. Cette personne-là, elle va dire oui de suite, puisque du coup, ça fait 2 cabanes qu'elle laisse passer, puisque elle voulait absolument une cabane au village de l'herbe. Elle est toujours appelée dans la région et par tout le monde la villa algérienne. Construite parce que quand monsieur Léon Lescar et toute sa famille reviennent d'Algérie, ils ne reviennent pas tout seuls. Ils reviennent également avec tout leur personnel d'origine et de confession musulmane. Ils vont donc faire construire cette chapelle pour que ici, chrétiens et musulmans, pris ensemble au sein d'un même établissement. Nous, en plus de ça, regardez, on a le mélange de la culture, on l'a évoqué, mais on a également un mélange au niveau de l'architecture. On a le style mauresque, les bandes de couleurs comme ça, beige, orangé. Ça, c'était un symbole de réussite, de richesse au niveau d'Arcachon. Donc, il est riche, il a réussi, il va arborer le style mauresque. Et il va le mélanger également avec là où il a réussi. Le style nord-africain arabe. On voit les tours sur les côtés ou la porte principale. Mais le plus beau des symboles, regardez, ça se passe en haut. Il y a une petite pointe métallique. Cette petite pointe métallique, on va retrouver la croix du christianisme et juste en dessous, le croissant lune de l'islam. Et ça, il faut se dire que c'était au milieu des années 1800. C'est une belle utopie qu'on pourrait remettre au bout du jour. Regardez tout en bas de la dune du Pilat, au ras de l'eau, on voit il y a un petit liseré de végétation. Une petite ligne de végétation, et bien ça, cette petite ligne de végétation, ce sont des plantes avec énormément de racines qu'on va planter dans les années 2000. L'idée c'est d'enraciner la dune du Pilat par la base. Et en l'espace d'une vingtaine d'années, dernier relevé, 2021, l'année dernière, on était à 1,50 m de recul seulement. Et en l'espace d'une vingtaine d'années, voilà, on a plus que divisé le recul par 2. Pas mal pour des petites racines. Hein. Le souci, c'est que le recul de la dune du Pilat, il est inévitable. On ne pourra jamais arriver au zéro de recul. Ça voudrait dire que si on est à zéro, on a stoppé le vent. Ça, c'est pas prêt d'arriver. Le recul de la dune, il va avoir d'autres aspects. Mais oui, si la dune recule, les plages à ses pieds vont s'agrandir. C'est logique. Sauf que ces plages, elles vont se faire ronger par les marées montantes, les tempêtes, etc. Tout ce sable, il rentre dans le bassin d'Arcachon et ressort au moment de la marée descendante. Sauf que attention, tout ce sable il ressort pas complètement du bassin, il va être stocké au pied de la dune du Pilat, puisqu'au pied de la dune du Pilat on va trouver 3 bancs de sable, le banc du Toulinguet, le banc du Chien et surtout le plus célèbre, le banc d'Arguin. Alors ces bancs de sable on peut les apercevoir. Regardez la ligne d'horizon, l'endroit où ciel et mer se confondent. Au ras de l'eau, au milieu, à l'entrée du bassin, on a l'impression qu'on a une petite ligne jaune vraiment au ras de l'eau. Cette petite ligne jaune, c'est pas la dune du Pilat qui s'étale, ce sont les bancs de sable au pied de la dune du Pilat. Ces bancs de sable qui nous forment l'entrée du bassin d'Arcachon. Pour ces bancs de sable, c'est comme l'île aux oiseaux. Il y a toujours une partie qui est hors de l'eau, qui est en surface, qui dépasse. Eh bien, le vent d'ouest, il va faire subir également un enfer à ces bancs de sable, puisque du coup, tout le sable en surface, il va être pris par le vent et va être renvoyé sur la dune du Pilat. Et là, on se rend compte que c'est un véritable cercle de vie. La dune du Pilat alimente les bancs de sable et les bancs de sable alimentent la dune. C'est pour ça qu'en fait, même après plus de 3000 ans d'existence, la dune du Pilat, elle est toujours présente.
d'Arcachon, on va justement regretter un petit peu l'ancien visage du front de mer d'Arcachon. Par contre, le tourisme de masse, on va être honnête, on va pas cracher dessus. Parce que du coup, eh bien, nous, ça nous fait atteindre des chiffres mais hallucinants. Parce que par exemple, on a vu tout à l'heure au Cap Ferret, sur 25 km, ils avaient entre 120 et 130 000 personnes l'été. Ici, à Arcachon, sur à peine 5-6 km de front de mer, on peut atteindre en saison jusqu'à 150 000 personnes. Par contre, hors saison, je parle même pas d'hiver, hein, hors saison, là, dès maintenant, on tombe à moins de 10 000 habitants. Ben oui, c'est la ville bord de mer par excellence. Mais attention, ces 10 000 habitants, ils sont tous unis, tous ensemble, ils vont lutter contre l'ennemi juré d'Arcachon, la ville de Nice. Ben oui, la ville de Nice, c'est les principaux concurrents d'Arcachon. Et oui, parce que c'est une seule de ces deux villes qui, à la fin de l'année, sera déclarée ville avec la moyenne d'âge la plus élevée de France. Entre l'eau salin et le bon air salin du bassin,
plus les petites balades en forêt avec le bon air des pins, les 2-3 séances de thalasso, ça allait vous soigner miraculeusement de la maladie de l'époque, la tuberculose. Alors cette maladie qui touche les bronches, mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement ça en réalité. Par contre, le marketing a très bien fait son travail et les gens vont commencer à venir à Arcachon. Pour les garder maintenant dans la ville, il faut que la ville leur plaise, leur ressemble. Mais Arcachon, ça n'a pas trop l'histoire, c'est une ville qui a été montée de toutes pièces. Alors vite, 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 on construit des bâtiments et on y intègre des petits détails, des petits trucs justement qui vont faire lever le sourcil quand on va les entendre. Il y a certains bâtiments, toute l'architecture entière a été inspirée justement pour avoir une petite anecdote. C'est le cas notamment, regardez, côté tribord, côté droit du bateau, sur l'avant, on va avoir ce gros bâtiment beige là, avec tout plein de fenêtres. Ce gros bâtiment un peu massif, et bien ça c'est l'ancien grand hôtel de la ville d'Arcachon. Et cet hôtel là, avant on le conseillait pas en disant « Oh tu vas voir, c'est super, c'est sympa ». Non, non, il y avait une phrase exprès pour ça. Vous pouvez loger au grand hôtel de la ville d'Arcachon pendant un an durant, et tous les jours, vous aurez une vue différente. Ben oui, parce que tout simplement, ici, il y a autant de fenêtres que de jours dans l'année. 365. Et ça, ce genre de petits détails, ben, il y en avait partout avant à Arcachon.